heures à venir. Comment ça va se passer là les... faut dans sa tête être comme si on allait. C'est une chance sur un million d'être positif, mais ça serait quand même dommage. Donc, je pense que c'est une course qui ressemble à pas à aucune autre que des courses. Comme d'habitude, je passe les soirées et les matins avant le départ de la course à regarder un peu mes fichiers météo pour chercher de m'imaginer en mer, en train de régler mon bateau, de choisir les trajectoires, de placer les bons changements de voile au bon moment. Et donc là on check encore les petits détails et après on prendra les larges, on répondra à la mer pour arriver au sable. Et voilà, et rester sur place jusqu'au coup des canons. Cette course, ça part sur le parcours du coup numéro 1. L'Islande d'abord, bah, c'est plutôt bien, c'est plutôt chouette. Comme ça, voilà, on prend les froids d'abord et on pourra se réchauffer après dans la descente vers les Azores. C'est toujours sympa de commencer un peu par les durs pour terminer sur une bonne note. Comme ça, on aura des bons souvenirs. Et voilà, et les complexités de la course, on les aura déjà oubliées aux Azores. Ouais, c'est sûr que c'est un peu bizarre d'être dans ce genre de circonstances avant un départ de course. Faut pas oublier qu'on part sur une grosse course. C'est vrai que ça enlève un petit peu d'importance à la course quand on est à terre. Donc il faut pas oublier de se mettre dans le bain quand même. Et du coup, c'est quand même chouette qu'on ait les 24 heures en mer. Je pense que ça va nous permettre de compenser cette absence de village sportif. Enfin, psychologiquement, ça va me mettre dedans parce que là, pour l'instant, je sais pas trop où je vais. J'ai besoin de me mettre dedans. Bah, c'est sûr que là, le début de course s'annonce pas hyper facile. Donc j'aborde ça comme je peux. Moi, j'ai pas une grosse expérience, donc à chaque fois, c'est pas mal de découvertes. Mon premier objectif, ça va être de prendre soin de mon bateau et prendre soin de moi. Et donc j'ai quand même hâte d'être là dans 3-4 jours quand on sera un peu plus dans le vif du sujet. Et j'aime pas trop, moi, les phases de départ et tout ça. Je suis un petit tracteur, il me faut un peu de temps au démarrage et donc non, j'ai hâte d'être partie et puis j'essaie de pas trop me faire de plan psychologique précis de ce qui va se passer. Je vais être très concentrée sur ma météo, essayer d'avoir une idée très précise par contre en termes de manœuvre de ce que je veux faire et puis après je vais découvrir. C'est assez cool en fait, je trouve que quelque part c'est assez sympa de tester ça aussi comme c'est un départ avec une transition, c'est un petit peu un sas là, c'est un pré-départ. Et je trouve ça aussi assez sympa parce que ça permet de se concentrer sur la navigation et tout, sans tout de suite se mettre la pression sur le côté physique du départ en lui-même. Donc je pense que ce sera pas mal finalement. Alors on va partir dans pas très longtemps et puis on va passer une nuit en mer pour tous se retrouver devant les Sables d'Olonne et pour prendre le départ demain après-midi devant les Sables d'Olonne. Et durant cette nuit en mer, on fait un petit peu ce qu'on veut. Donc là, le principe, c'est que le skipper il soit accompagné d'un équipage pour pouvoir se reposer et puis assurer la veille du bateau. Donc moi, en gros, je vais me reposer un maximum. Il faut que je sois en super forme demain pour le départ et puis tout le restant de la course. Donc voilà, c'est assez marrant parce qu'on part, mais on part pas en mode j'attaque là, c'est plutôt on part en mode je me repose avant d'attaquer. C'est sûr que ça va pas être simple tous les jours. Le départ il va être plutôt clément avec des vents moyens. Donc ça déjà c'est une bonne chose. Et après, quand on va se retrouver au nord de tout ça, c'est-à-dire quand on va approcher de l'Islande,
Là, ça risque d'être compliqué. On peut avoir des vents forts, des vents au pré, on ne sait pas encore exactement. Mais il peut y avoir des vents au portant fort, mais aussi des vents au pré fort. Il va faire froid. Enfin, voilà. On peut s'attendre à des difficultés par là-bas et puis aussi quand on reviendra à l'Islande. Donc, je pense que les quelques jours, là, dans une semaine, ne vont pas forcément être faciles. Ouais, il y a un côté vraiment condensé de Vendée Globe et c'est ça d'ailleurs que j'adore dans cette course. C'est que on va changer de climat, on va passer de conditions météorologiques plutôt clémentes à des conditions très difficiles et potentiellement revenir assez vite à des conditions clémentes. Il y aura des périodes peut-être où il n'y aura pas de vent du tout. Et en fait, tout ça, on va le rencontrer aussi sur le Vendée Globe, donc c'est hyper intéressant. いや、そんな落ち着いて、クルーたちがよく整備してくれたんで落ち着いてスタート行く。ただ暴れると思うんで落ち着かして。はい、コースは厳しいコースになると思うけど、まあ気をつけて走りたいと思います。はい。最初の3日はね、厳しい。OK、メッシ。ありがとう。